249 pouces 240 hertz et ouais les mecs nouvel écran il est beau et il est beau il est beau les gars il est beau il est beau mais avant d'attaquer sur l'écran je voulais vous faire part d'une petite anecdote vous savez bien que j'aime bien raconter des petites conneries avant d'attaquer les vidéos et là eh bien, j'ai envie de vous partager une petite anecdote puisque quand je suis allé chercher cet écran chez Darty, j'ai pris la voiture et il y avait une émission de radio et j'écoutais comme ça un peu nonchalamment en roulant et il parlait d'un de... prénom qui a été donné euh, il y a quelques semaines dans une commune en France, d'un prénom qui a été donné à un enfant qui est le... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire mais moi, je n'avais pas entendu parler de ça. Et là, j'écoutais à la radio, il y avait le débat entre les journalistes et puis des intervenants. Et donc le prénom en question, c'était le prénom Canard. Canard, les mecs. Il y a en France un papa et une maman qui ont donné naissance à un enfant, un garçon, qu'ils ont appelé Canard. Non, non mais par quel putain de cheminement intellectuel, les mecs, y passent, les mecs, le mec et la nana, ils passent pour donner un, le prénom canard à leur gamin. Donc, mais ça, c'est un truc, les amis. Franchement, alors, alors ça débattait, il y a des mecs qui disaient c'est inadmissible, c'est intolérable, machin, et voilà, et puis donc il y avait il euh, y avait une personne qui parlait un petit peu de de la partie juridique, il y a un dégât à un moment donné, il dit Bah, mais c'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça, euh, comment tu peux donner ce prénom-là Eh bien, en fait, la nana, elle expliquait que c'est l'officier de l'état civil qui décide si oui ou non ce prénom est acceptable. L'officier de l'état civil de la mairie qui est assis à son bureau, quand tu arrives et que tu dis Bonjour, je voudrais enregistrer mon enfant, machin bidule, comme, comme, comme on l'a tous fait, nous qui avons des enfants, et on donne les prénoms, etc. Eh ben, il, il dit, canard? canard. Bah ben ouais, ok. Canard? Non mais. C'est un truc de malade, les amis. Et honnêtement, mais j'ai halluciné en, a, en entendant ça Alors après, ils ont ressorti tous les prénoms bizarres. Parce que finalement, il y en a plein des prénoms bizarres. Là, celui-là, il, il est ressorti du lot. Parce que honnêtement, canard, c'est un truc incroyable. Mais après, ils ont sorti tous les autres prénoms. Alors il y avait des trucs de dingue. Il y a Astérix et Obélix. Deux frères. Astérix et Obélix, quand même. Il y a deux jumelles, euh, Cajoline, Soupline. Soupline et Cajoline. Comment est-ce que le mec à l'état civil assis sur son bureau, le papa il vient et il dit bonjour. Alors voilà, le nom, de, le prénom de mes deux jumelles, c'est Soupline et Cajoline. Moi, je suis l'officier d'état civil, je me lève et je lui mets une grosse tarte dans sa gueule. Et donc, il y en avait un autre, c'était Clitorine. Clitorine. Mais c'est tellement mignon, Clitorine. Oh, ça va, sinon, clitorine, oui. On devrait leur mettre des grosses... Et pourtant, je ne suis pas pour la violence, les gars. Vous savez très bien que moi, je prône la non-violence. Hein. Mais là, ces gens-là, on a envie de les attraper par les cheveux. Surtout la mère. Hein. De les par les cheveux et de la traîner par terre, comme ça. Et dire, vas-y, vas tu veux appeler ton enfant canard Tu veux encore l'appeler canard, t'es sûr Ah non, mais hey, je te... Ah, mais ça, ça m'a halluciné. Quand je suis arrivé, j'ai raconté ça à ma femme. Elle a halluciné, elle a dit, monsieur, t'es Le monde va mal, hein. Moi je vous le dis, le monde va très très mal, les amis. Si on en est là, aujourd'hui, avec deux, deux parents qui sont capables de dire un matin, notre gamin, on va aller l'enregistrer à la mairie, et on va l'appeler canard, et le mec de l'état civil, il dit, oui, d'accord, oui, oui, canard, c'est très... Oh, comme c'est mignon, oh, mais c'est tellement original, vous êtes tellement originaux, chers parents, et eh écoutez, je vais signer tout de suite votre état civil, c'est superbe. Putain, les mecs. Voilà, petite année. Alors, moi, pourquoi cette anecdote, elle m'a touché un petit peu personnellement? Pourquoi? Je vais, vous, je vais vous raconter mon histoire. Moi, je suis né, je m'appelle Philippe. P-H-I-L-I-D-P-E. En français, Philippe. Mais je suis d'origine portugaise et donc, mon père, quand il est allé m'enregistrer à la mairie, bah, ben, ma mère, elle est restée à la maternité. C'est mon père qui est allé à la mairie. Et mon père, on était en 1971 et il avait un accent euh, fort portugais. Et donc, quand il est arrivé à la mairie pour enregistrer mon prénom, bah, lui, savait pas écrire français. Donc, il est arrivé, il s'est assis de, sur la chaise devant la nana, et puis la nana, elle a dit :« Alors, monsieur, comment vous voulez euh, appeler votre fils Quel est son prénom ?» Et mon père, il a dit :« Philippe. Philippe. » Et quand il a dit Philippe, la nana, elle a dit euh, :« Philippe. » Et mon père, elle a dit :« Philippe. » Elle a dit :« Philippe Et mon père a dit :« Ouais. » Et la meuf, elle a écrit sur mon acte de naissance Philippe F. E. L I P E Felipe, un prénom qui n'existe même pas au Portugal, puisque Felipe c'est euh, espagnol, et alors que en portugais Philippe existe, mais c'est F I L I P E. Et donc je me suis retrouvé avec un prénom sur mon acte d'état civil, sur mon extrait de naissance qui était Felipe, Felipe les mecs, alors que tout le monde après m'a appelé évidemment Philippe à l'école, partout où j'allais. Euh, même dans les entreprises où ensuite j'ai bossé, mon prénom, c'était Philippe Partout. Et donc, il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière, j'ai fait les démarches pour changer l'orthographe de mon prénom. Pas pour changer mon prénom, mais pour changer l'orthographe, parce que Philippe ne correspondait à rien. Voilà com comment on en arrive. À... Et finalement, c'est quoi le, 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 le chaînon, finalement, faible de cette affaire C'est l'officier d'état civil. Voilà, la nana, à l'époque, en 1961, c'était une grosse cruchasse, euh, flip, Flip, it, flip, flip, Faudes. Franchement, les gens sont tellement cons. Et là, vous tombez sur un officier d'état civil où le mec il se pointe. Bonjour, on voudrait appeler notre fils canard. Mais bien sûr, ok, canard comment Alors C-A-N-A-R-D, c'est ça Oui, c'est ça. Bon bah très bien, merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Vous vous rendez compte, le gamin sa vie. Le gars on va le retrouver chez les psys à 15, 16 ans, 17 ans quoi, parce qu'il va se faire insulter toute sa vie à l'école, machin. Canard, viens ici, canard, à l'école, canard, arrête de jacasser Ah non, pardon, c'est pas jacasser c'est cacté. Oh là 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 là. Bon allez ouais Revenons à nos moutons Samsung me soum les mecs La résolution de l'écran, les gars, c'est juste une tuerie les mecs 5000 et des bananes, 5120 par 1440p. Hein Alors vous vous souvenez de mon écran, celui que j'avais avant, c'était le Samsung en 1080p et 3840 de large. Alors celui-là, il fait exactement la même hauteur, de là à là en centimètres. C'est exactement la même hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, c'est-à-dire d'ici à ici, il est plus. Petit, pourquoi Parce que, en fait, la courbure est plus prononcée. C'est-à-dire que la courbe que vous avez ici, elle est plus prononcée, en fait. D'accord Il est beaucoup plus arrondi, en fait. Et du coup, il vous englobe davantage. Et ça, honnêtement, les amis, je pensais que ça n'aurait pas une énorme incidence. Mais ça change tout. Ça change tout. Ça change toute l'expérience. Au-delà des FPS, au-delà de la résolution, ça change tout. Parce que l'écran, il est plus arrondi, il vous englobe le plus. Et j'ai presque retrouvé les réflexes que j'avais en triple écran. Où tu tournes la tête, et tu tournes, tu tournes. L'autre, je faisais pas ça du tout. Je, je, hop, je, je bougeais les yeux. Vous voyez Là, je tourne vraiment la tête. J'ai vraiment l'impression d'être englobé par l'écran. Et ça, c'est le premier truc qui m'a frappé au-delà de la résolution, qui est quand même une résolution qui est beaucoup plus importante que celui que j'avais avant. Au niveau de la largeur qui est ici, cette partie-là, entre là et le cul de l'écran, parce que vous voyez que moi, j'ai fixé le support d'écran pour le fixer à un mur. Hein, j'ai même pas sorti le pied de la boîte, mais attention, parce que les vis qui vous permettent de fixer ce machin sur l'écran, elles sont fixées sur le pied. D'accord Donc si vous n'allez pas regarder un peu ce qu'il y a sur le pied, vous allez dire, mais il n'y a pas de vis. Comment je fixe ce truc sur le cul de mon écran Il faut récupérer les vis qui sont sur le pied de votre écran, c'est important. Et ensuite, vous mettez le support dans le trou derrière l'écran qui vous permet de mettre cet écran sur votre châssis. Alors moi, sur mon châssis, je vous conseille d'enlever cette partie-là. Vous l'enlevez complètement et puis vous allez fixer ça sur votre écran, sur votre canapé là-bas. Puis vous revenez avec le tout pour l'enquiller sur le, sur le support de, parce que si vous essayez de le mettre comme ça directement vous allez galérer, ça ne va pas être possible les amis d'accord, donc ça c'est un truc qu'il faut avoir en tête pour que ce soit plus euh, plus facile à mettre, bel écran alors l'arrière blanc, moi j'aurais préféré qu'il soit noir mat mais blanc c'est pas mal c'est pas mal, il y a pas mal de prises elles sont assez accessibles par rapport à l'autre puisque vous voyez qu'elles sont là ensuite vous avez un cache que vous pouvez mettre ici qui vient cacher toutes les prises. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore remis. Ici, ça s'allume. Derrière, en couleur, si vous voulez. Moi, vu que c'est caché par mon écran. Franchement, il n'y a pas besoin que je m'amuse à mettre des couleurs de l'arc-en-ciel derrière. Euh... Voilà, les gars. Hey, écran de malade. Alors là, on va s'installer. Hein. Et on m'a posé pas mal de questions déjà. Vous voyez quand je suis devant là, je suis hyper englobé. Alors là, on ne se rend pas compte avec la GoPro, les mecs. Hein. Mais, par rapport à l'autre, en fait, la courbure, elle est plus importante. Du coup, ça m'englobe plus. L'autre, il était plus plat. C'est-à-dire que là-bas, ça partait là-bas, vous voyez? Voilà, ça partait là-bas. C'était un peu plus droit, même si c'était un peu incliné. Il y avait bien, ouais, il y avait bien ça. En moins, hein, quand même, hein. Le texte, il est hyper précis. Alors, ça va pas rendre avec la GoPro. Je suis en 4K. J'essaierai de mettre la vidéo en 4K. Les textes sont hyper précis. Beaucoup plus précis que sur celui que j'avais avant. Bah, vous allez me dire, bah ouais, oh, mais c'est normal. Euh... C'est normal, Felipe. Tu as une résolution supérieure. Donc, c'est logique. Mais bon, il euh, y a quand même un, un espèce d'aspect euh, un peu lissé qui est intéressant, je trouve. Alors, panneau de configuration Nvidia. On va voir ce qu'il nous dit le petit bonhomme là. Vous voyez que du coup, ça fait des fenêtres toutes petites, les amis. Vous êtes obligé de les agrandir parce que là, ça fait des fenêtres minuscules. Hein. Donc, changer la résolution. Pouf. Et donc je suis en 5120 par 1440, les gars. Voilà, en 120 Hertz. Alors hier, j'ai voulu passer en 240 Hertz, parce que vous voyez qu'ici, vous avez des options. Voilà, et comme ça, vous allez voir mes réglages. Hop, je vais dans menu. Voilà mes réglages, les amis. En jeu, je suis en fréquence 120. Vous voyez, je suis en 120. Euh, zone sombre 12 adaptive sync j'ai mis marche quand vous activez le adaptive sync ça vous empêche d'activer le temps de réponse et le retard affichage faible ok donc si vous voulez activer votre temps de réponse et votre retard affichage faible et bien vous devez enlever l'active sync ensuite en ce qui concerne l'image c'est à vous de choisir ce que vous aimez moi j'ai mis du personnalisé j'ai mis luminosité 23 contraste 70 netteté 60 couleur j'ai mis froide 2 euh, et mode de protection, j'ai rien mis, voilà. Ensuite, vous avez des options. J'ai mis français évidemment pour l'affichage de l'écran. Euh, le système, vous avez contraste dynamique, j'ai mis arrêté. Atténuation locale Infinity Core Light, j'ai mis et arrêt. Mais c'est le truc, vous savez, derrière là, euh, derrière l'écran, pour mettre de la de la couleur derrière l'écran. Euh, voilà. Quoi d'autre Activer la LED en, pendant la veille, moi je mets marche. Voilà. Euh, et puis c'est tout, les amis. Ah, changement automatique de la source. J'ai mis arrêt, mais on peut mettre marche. Voilà. Et donc le jeu, donc fréquent. Et voyez, regardez, si je mets 240, pouf. Les 200. Et eh bien là, l'écran, il est tout flou. Il est tout flou. Pourquoi Parce que regardez, il se met par défaut en 3840 par 1080. Donc il faut aller cliquer ici. Il faut aller cliquer ici. Et j'ai pas, 140, pas euh, 240 là dans ma fréquence de, de rafraîchissement. Je l'ai pas dans la liste. Alors pourquoi Eh bien, je vous avoue que c'est une énigme, mes amis. Pourquoi Je ne sais pas. Quand il se met en, en 240, il se met en 3840. Vous voyez, là, j'ai accès au 240, mais il se met en 3840 par 1080. Il se met pas en. Du coup, ça devient plus flou tout de suite. Les textes sont plus flous, tout est plus flou. Il ne se met pas en 5120 multiplié par 1440 par 240 Hz. Vous voyez, là je suis en 120. Alors quand je me remets ici sur les menus à 120, c'est bon. Il rebascule en, en 5000. Vous voyez là, si ça... Hop, je vais me mettre ici en 120. Voilà, il va bosser le truc. Et là, il va se remettre automatiquement. Boum, boum, fréquence de rafraîchissement, 120, 5120. Voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus net. Tout fonctionne super nickel. Alors moi, pour l'instant, ça me dérange pas des masses parce que je ne dépasse jamais les 120 images secondes dans mes jeux. Ça me dérange vraiment pas. Mais sur des jeux qui te permettent d'aller à plus que 120, bah, c'est quand même chiant parce que mon écran d'avant, il était à 144 Hz quand même. Hein. Donc là, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi parce qu'il est censé sortir du euh, du 244 en 5120 fois 1440. Je comprends pas. Euh, les... Alors on m'a demandé au niveau des images, au niveau de, des textes, du texte si c'était euh, net et c'est super net les gars. Ça fait comme un espèce pour ceux qui ont des Mac, ça fait comme un espèce d'écran rétina. Ça fait comme une espèce de pellicule qui va qui va qui qui va euh, rendre la police plus nette. Euh, Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est euh, c'est assez impressionnant euh, au niveau de l'image. Franchement c'est assez impressionnant. Hein voyez, si vous prenez un truc Excel comme ça, regardez, alors ça ne rend pas avec la GoPro. Mais c'est super lisse, super détaillé, super lisse. Vraiment, c'est super lisse, super beau. Alors après, quand vous ouvrez des, des, des fenêtres de, de web, honnêtement, euh, voilà, ça. Vous pouvez en mettre plein hein, l'une à côté de l'autre. Hein, parce que c'est écrit tout petit. Alors après, il faut aller sur les, 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 les options de votre navigateur pour agrandir. Vous hein. voyez, zoom plus 125. Voilà, vous pouvez agrandir pour que ce soit plus gros. Mais c'est vrai que la petite police là en haut des, des, des favoris, bah, eh, eh, c'est plus petit, les gars. Mais voilà, donc j'ai commencé un peu à jouer, euh, évidemment. Donc je vais vous faire d'autres vidéos sur les jeux, évidemment, en jeu. Mais là, c'était la première découverte de l'écran. Donc c'est déjà, on l'a sor sorti du carton. On a mis le support écran derrière. On a mesuré l'écran qui est un petit peu, plus, un petit peu moins large. Mais c'est normal parce que regardez, voilà, je vais reculer. Voilà, là, vous avez tout l'écran en face de vos yeux. Il est courbé, ce qui fait que quand vous tournez la tête, hop, vous tournez la tête, c'est différent. En fait, vous voyez tout de suite l'image qui est à côté de vous. Je suis à 80 cm de l'écran, moi. Mon œil, il est à 80 cm de l'écran. Et quand je tourne la tête comme ça, il est aussi à 80 cm de l'écran. Et du coup, ça donne un effet de. On est vachement englobé dans le. Dans le... Dans l'écran et ça je trouve que c'est vraiment top. Euh, voilà donc prochaine vidéo on va attaquer les jeux les amis. On va attaquer les jeux, on va les passer les uns en revue après les autres. Donc Race Room, iRacing, Assetto Corsa Competition, Assetto Corsa. Euh, J'ai essayé tous les jeux les amis, il me manque F1 2021, F1 2020 et Dirt Rally 2 et Air Factor 2. Il me manque ces quatre jeux là. Donc je vais les faire là euh, dans les dans le jour le, le, le voilà aujourd'hui ou demain et à partir du moment où j'aurai fait tous les jeux eh bien je vais faire euh, une vidéo par euh, tranche de jeu ah, mais voilà. vous allez voir que franchement euh, c'est tout à fait sympathique mes amis c'est tout à fait sympathique et je suis pas déçu ma grande peur c'était d'être obligé de changer immédiatement ma base mon PC puisque vous savez que le cœur du jeu en simracing c'est pour les c'est du PC et si votre PC il fonctionne plus, il y a plus de sim Racing, et donc c'est quand même le cœur du système. Vous pouvez avoir le plus bel écran de la terre, si votre PC il n'arrive pas à l'alimenter et à afficher des images correctes dessus, ça sert à rien. Et là, ça fait un moment que je veux changer mon PC qui a une 1080i et un i7 7700K et donc euh, 16 Go de RAM. Et euh, ça fait un moment que je veux le changer, mais je recule l'échéance parce que les cartes graphiques sont extrêmement chères et du coup ça me dissuade énormément. Et donc quand j'ai acheté cet écran, je me suis dit, je crois que derrière, il va falloir que je passe à l'acte d'achat pour un PC. Et là, ça va me faire beaucoup plus mal que sur cet écran que j'ai payé 1399 euros. J'ai vendu mon ancien écran 650 euros, donc euh, de ma poche 750 euros pour un écran tout neuf, tout beau, bien incurvé et qui a une résolution supérieure. Donc moi, j'en suis super content euh, pour l'instant, puisque l'opération est plutôt intéressante. Parce que je n'ai pas encore besoin tout de suite de changer de PC et vous allez voir sur les prochaines vidéos pourquoi. Mais finalement, mon PC, c'était une super belle configuration. Et du coup, je remercie le magasin. C'est Absolute PC à Paris qui me l'a, qui me l'a fabriqué à l'époque il y a quatre ans. Et le truc, il continue à tourner du feu de Dieu et c'est un truc de dingue. Comme quoi, les gars? Le choix des produits que vous mettez, là, que ce soit la carte mère, que ce soit le, le processeur ou la carte graphique, il faut qu'ils s'associent bien entre eux pour avoir une belle performance et quelque chose qui tient la route et qui soit bien équilibré. Et là, c'est le cas parce que même après quatre ans d'activité, sur un écran comme ça, le truc, il arrive à cracher, quoi. Il arrive à cracher, les amis. Hein. Je suis pas passé à 30 images secondes. Hein. Voilà, il arrive à cracher, évidemment. Pas de surprise, assez tôt quand ça compétitionne. Développé avec les pieds, les mecs. Mais, mais, mais même pas développé avec les pieds, développé avec avec un pied, développé avec un pied, un pied les gars, parce que c'est le seul jeu qui me pose problème. Tous les autres ils se baladent tous, Race Room, ils se promènent tous. J'ai pas joué à Air Factor 2, on va voir. Mais honnêtement, tous ceux que j'ai essayé, Race Room, Air Racing, alors Racing et oui ils se promènent, mais voilà c'est euh, aucun problème. Ah c'est encore ça, compétitionne. Voilà, développé avec un pied. Alors après, quand les gars ils viennent me raconter la messe et qui m'expliquent que chez eux c'est super, qu'ils ont un écran euh, 5120 et que c'est génial en 2000 FPS, mais, mais hé, hey, les mecs, regardez. Ou alors, je sais pas, il faut mettre des lunettes, je sais pas. Il faut mettre des lunettes, il faut, il faut aller voir un ophtalmo. Euh, c'est pas possible les amis, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, mon PC, il est bien équilibré, il fait tourner sur cet écran. Sur cet écran, hein. ARSING à 130 images secondes, les gars. Le même PC, il, il fait tourner sur cet écran en 5120, ARSING à 130 images secondes. Sur un Corsa, il tourne à 60. Les gars, arrêtez de me dire que le jeu il est bien optimisé. Arrêtez, stop. Voilà, mes amis, on va s'arrêter là pour cette petite présentation d'écran, parce que les autres vidéos vont suivre avec les tests en en piste les amis, avec l'écran sous les yeux, alors là pour le filmer maintenant, ma caméra elle va être là, vous voyez que c'est plus incurvé, hein ça va être un peu plus incurvé, il faudrait peut-être que je mette la caméra par ici, voilà, mais là j'ai aucun support pour la mettre donc ça va être compliqué. Bon désolé pour cette petite incartade au début, alors j'imagine le gars euh, qui arrive pour la première fois sur mes vidéos parce qu'il voit le titre Odyssey G9 Samsung... Et là, il se dit, Waouh wow", !» ouais. Et puis, il arrive, et puis, le mec, il lui parle d'un prénom de canard et de machin. Et le mec, il va dire, c'est qui ce blaireau? et il va se barrer en courant, le gars. Et ouais. Mais bon, moi, je fais ça aussi pour les gars qui me suivent depuis longtemps. Et ils aiment bien que je, que je raconte quelques anecdotes. Voilà. Donc, j'en profite. Et c'est aussi pour eux que je fais les vidéos parce que finalement, ils sont fidèles depuis le début. Le gars qui passe comme ça en coup de vent, finalement, bah, il a qu'à rester jusqu'au bout s'il veut voir la vidéo. Et sinon, il a qu'à zapper. Et, euh, et voilà parce que le truc c'est que si j'arrête de faire les vidéos, les mecs, qui est- ce qui va vous faire dépenser votre argent? Eh ouais, qu'est-ce que vous allez en faire de votre argent? Vous allez tout mettre en banque, vous allez être super riche et puis l'argent il va déborder de votre compte et vous saurez plus quoi faire de votre argent. au moins moi je vous propose des choses à acheter les mecs et ouais, c'est ça qui est cool. Bon, allez, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Et puis là les gars, n'appelez pas votre enfant canard. Euh, essayez de réfléchir un peu. Euh, Donnez-lui un prénom sympathique. Vous pouvez donner des prénoms originaux. Mais pas un truc qui va... Euh, le poursuivre toute sa vie. Vous imaginez le gars quand il va être euh, chef d'entreprise, euh, qui va s'appeler Canard. Putain, déjà Donald, hein, Donald Trump, c'est dur à porter, mais bon, c'est américain, on, on s'en fout un peu, et Donald, ça va passer un peu mieux. Mais Canard, les gars, c'est quand même... Alors après, le... je sais que l'enfant peut demander si c'est un préjudice pour lui à changer de prénom, tout ça. Moi, je l'ai fait, mais moi, c'était pas compliqué parce que c'était juste une orthographe. J ai... J ai... Il a fallu que je démontre à la mairie que... On me connaissait sous le prénom de Philippe depuis depuis toujours, c'est-à-dire depuis le collège, mon permis, euh, tout était au nom de Philippe et donc il y avait aucune logique que mon extrait d'acte de naissance se soit Philippe. Ça a été ça a été très simple à, à prouver. Mais quand le gars il va vouloir demander "Oui, ben, je veux changer mon prénom parce que Canard ça me plaît pas tout ça." Il tombe sur un officier d'état civil qui dit "Bah non, moi j'aime bien Canard." Et là, il va galérer les gars. Bon, allez, à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo.